Chers internautateurs, chères internautatrices, si les entrepôts obscurs ne vous font pas peur, si les caisses en bois avec des toiles d'araignée ne vous font pas non plus trop provoquer de crainte, alors bienvenue dans cette trictrac télé toute particulière, puisque nous allons expliquer et jouer à ce jeu Warehouse 51, alors Warehouse 51, si on met le titre en anglais complet, qui est un jeu de Bruno Feduti, mais je vois qu'il y a d'autres noms. Et je vais donc en demander les explications à celui qui est responsable de l'édition, celui qui est le boss de chez Funforge, Monsieur Philippe. Salut Philippe. Salut. Bienvenue à toi dans cette Trick Track Télé. Merci. Alors, je vois Bruno Feduti, mais aussi Sergio Alaban, ouais, et André Zatz. Qui sont les auteurs de Sheriff of Nottingham. D'accord. Et qui sont deux auteurs brésiliens qui sont à l'origine de ce jeu-là. Et Bruno les a rejoints dans l'aventure. C'est un jeu qu'ils ont fait à six mains. D'accord, oui, 3 fois 2, merci. J'étais en train de me dire 6, ça fait beaucoup, mais non, en fait, ouais, pas du tout. Voilà, donc ça a été une longue aventure. Une longue aventure. On en reparlera d'ailleurs un petit peu, puisqu'on a le logo, je vais le mettre en caméra déportée. On a le logo Funforge, mais on a effectivement aussi le logo Passport Game Studio. Mmh. Donc tu me disais qui est votre distributeur. C'est notre distributeur US aux États-Unis. D'accord. Ouais. Et c'est également un éditeur. Leur motto, c'est d'importer les meilleurs jeux étrangers aux États-Unis. Et ils veulent en éditer aussi. D'accord. C'est eux à l'origine qui avaient les droits de ce jeu-là. D'accord. Ils voulaient l'éditer et ils ont eu du mal à trouver le chemin. Ouais, voilà, dans le processus d'édition. D'accord. Incidemment, ils nous ont présenté le prototype, on y a joué, on a trouvé ça super. Et on s'est dit, là, on a eu des idées, peut-être tout de quelque suite. Chose à faire. On a discuté avec eux, au final, ils nous ont passé le bébé. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte une coédition entre eux et nous. C'est nous qui éditons le jeu, mais ils ont été tellement partie prenante dans le processus. Vous avez mis le logo avec, vous êtes partenaire quoi qu'il en soit. Et comme de toute façon ils le distribuent, ils s'engagent beaucoup sur ce titre-là et ils l'adorent, c'était pour nous logique qu'il soit avec vous. Alors je m'aperçois que nous parlons de vieilles caisses en bois, de boîtes de jeux à éditer et que je n'ai même pas fait le travail de présentation alors que nous avons, excusez-moi, j'espère que ce ne s'est pas pris pour de la misogynie, d'adorables créatures à la table, de l'équipe Funforge également et c'est la non moins délicieuse Doria que j'aime. Droite, salut Doria, ça va? Oui, bienvenue. Merci. Et tu n'es pas venue seule, tu es venue avec la non moins délicate Gersandre, parce que je ne me suis pas trompé dans le prénom, n'est-ce pas? J'ai eu peur, hein, parce que je me suis dit, je vais me faire foudroyer du regard si jamais je ne dis pas Gersandre de la bonne façon. Vous êtes tous les trois de l'équipe Funforge, et c'est bien normal, puisque c'est un jeu Funforge. On va pouvoir faire un jeu de Warehouse 51 directement en l'expliquant, hein, c'est ce que tu me disais hors antenne. Ouais, on va pouvoir faire quelques explications rapides. Petit jeu d'enchères, mais pas que, bien sûr, il va y avoir d'autres petits twists. Je remontre la boîte, c'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Les parties durent environ 45 minutes et donc c'est édité par Funforge. Quand est-ce que ce sera ou quand est-ce que ça va être disponible, Philippe? Alors, on l'a déjà présenté à la Gen Con US, en août. Ouais, voilà, dernier. Et le jeu est en train d'arriver. Ouais. Donc là, on va en avoir à Essen. D'accord. On aura des boîtes à vendre à Essen, quelques-unes, en anglais et en français. En anglais et en et français. En allemand aussi, pour les Allemands. Et il devrait arriver théoriquement courant novembre. Courant novembre pour le reste des boutiques. Ouais. On a un petit prix? Le prix public va être de 17 euros. 17 euros. Ouais. C'est les beaux jeux dans une… Non, c'est pas ceux-là. Ah, c'est pas ceux-là. Mais non, c'est la boîte Samurai Spirit. Ouais. Autant pour moi. Ouais. Autant pour moi, je ne veux pas divulgâcher, comme diraient les Québécois, un argument assez intéressant au point de vue des boîtes. Je vais mettre la boîte de Warehouse 51 dans le devers de Trick Track comme d'habitude. On a fait une petite mise en place. Donc, on a les caisses en bois dont nous avons précédemment parlé. Mm-hmm. Je reconnais quelques petits lingots d'or, me semble-t-il. Ouais. Pour le reste, je dois dire, si tu peux me donner quelques explications, je ne suis pas contre. Alors, ça se passe dans un futur proche. On est en 2038. Les États-Unis ont fait faillite, comme il se doit. J'espère bien, oui. Non, mais alors, il n'y a pas de raison. Et avec Donald Trump qui arrive en force, ça ne va pas, va pas arranger les choses. Ouais. Et donc, pour renflouer leur caisse, ils ont décidé de revendre les reliques légendaires qui sont contenus dans l'entrepôt secret 51. Celui de la zone. Celui de la zone 51, voilà. Mais qui n'existe pas.
On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. D'accord. Ce sont les objets qu'on a ici. Alors oui, ce sont les objets qu'on a ici. Nous, on est tous des multimilliardaires rampants, hein, bien évidemment. Alors, moi, je suis Zach Murkenberg, voilà. Mais je ne vois pas du tout de quoi il est question. Tu es donc un jeune golden boy de la Silicon Valley. C'est ça. Ouais, ça me ressemble. Ah, ouais, c'est cool. C'est bien les jeux, on peut se prendre pour des choses qu'on n'est pas du tout. Tu es un golden cool même de la Silicon Valley. Un golden cool consacré. Boy. D'accord. Voilà. Donc, on a chacun le sien. On a chacun le sien. Moi, je suis un vieux noble anglais, Charles Cavendish. Gerson est une espèce de vieille russe. Comment tu balances ? Au passé sulfureux. Voilà. À mon avis, elle a plutôt traîné dans des histoires louches. Et Doria est donc l'héritière d'une dynastie chinoise richissime. Et on a tous, on est tous bien sûr blindés de thunes. De thunes, hein. Allons-y, Franco. On va payer avec ces lingots de une tonne d'or, qui valent chacun $1 milliard. D'accord. J'aime beaucoup, on n'a pas peur. Ouais. Chaque lingot vaut un milliard de dollars. Ça, c'est un jeu où on joue en milliards de dollars. Allons-y. Et on va enchérir. Et comme bien sûr, on est tous des gens de la bonne société, ouais. On préfère que l'argent reste dans la bonne société et ne parte pas à volo. D'accord. Donc quand on va enchérir, il va y avoir un principe qu'on va illustrer plus tard, qui fait que quand on remporte une enchère, on va donner l'argent à notre voisin de gauche. Comme ça, on est sûr qu'à un moment ou à un autre, cet argent va peut-être nous revenir. Voilà. Ok. Comme ça, on reste entre gens de bonne moralité. Rallye. Voilà, un peu. Une enchère rallye. Voilà. D'accord. Et donc, on va chercher à acheter ces objets-là. Alors, je vais montrer une carte. Bah hein, oui, pour l'illustrer. On va la mettre en caméra déportée. Alors, par exemple, cet objet-là est l'Arche d'Alliance, bien connu des fans d'Indiana Jones, notamment. Entre autres. Mais pas que. Chaque objet a une valeur en points à la fin de la partie. Peut porter un symbole ou non. Alors, il y a deux types de symboles. Il y a ce symbole-là qui est un effet bénéfique, mais il y a également des effets néfastes. L'effet bénéfique, comme le bouclier du Captain America. Par exemple, ouais. On peut, mais il n'y est pas. Mais il n'y est pas. Ouais. Et c'est pas assez légendaire. D'accord. La vache. Ouais, vous avez fait une sélection high level là, pour les légendaires. Et donc, il y a un deuxième symbole, tu disais qu'il y en avait Il y a plusieurs symboles. Ce symbole-là qui est une bénédiction. D'accord. On va chercher par exemple l'équivalent ici. Alors, il va moins bien se voir sur cette carte-là. Ça sent pas bon pour la malédiction. Un symbole noir qui est une malédiction. Alors, on voit aussi le fond du texte est foncé quand c'est une malédiction. Donc là, on est en malédiction. Et il y a un dernier symbole qui est celui-ci, un petit point. Qui indique que les enchères se font à point fermé. Ce symbole-là n'est présent que sur les armes. On a différents types de reliques. Les armes sont toutes des enchères qui se font à point fermé. Ok, très bien. Et chaque objet va potentiellement avoir un effet. Il va être indiqué comme permanent, comme étant immédiat, relatif au score, etc. Et il est expliqué noir sur blanc. Donc là-dessus, on suit. Voilà, il suffit de lire la carte. D'accord. Certains objets, comme cet objet-là, n'ont aucun effet. Ils ont simplement une valeur et une famille. D'accord. Okay, les objets sont donc de quatre familles différentes. Alors, les quatre familles, ce sont celles qui sont reprises sur notre... C'est ça. En fait, le plateau de joueurs n'est qu'un rappel de score. D'accord. Voilà, il sert simplement à rappeler les scores possibles. Donc, quatre familles. Quatre familles. Bleus, donc, on a les objets verts, bleus. Les jaunes, les rouges. Les objets bleus sont les objets de la littérature, on va dire, occidentale. Voilà, donc, littérature et légende occidentale. On a les valeurs qui sont reprises. On a les valeurs, le nombre de cartes et la valeur des cartes. Donc, on sait que dans les bleus, on a deux cartes qui valent 3, 3 cartes qui valent 2, etc. Ok, 8 cartes bleu, littérature occidentale. Voilà. Ensuite, on a les objets verts qui sont les objets des légendes européennes, en gros. D'accord. Voilà. On a les objets jaunes qui sont les objets des légendes moyen-orientales. Ok. Et on a les objets rouges qui sont les objets des légendes extrême-orientales, plus asiatiques. Et elles ont toutes été triées par collection. Là, en début de jeu, il y a toutes les jaunes, toutes les vertes, toutes les bleues, quatre pioches qui correspondent à chaque collection. Impeccable. D'accord. Impeccable. Le principe est simple, il va falloir collecter un maximum de points, donc en constituant les familles. Et tu as ici, donc, dans ton... Les points que le premier, celui qui a le plus de points dans sa famille, gagne, et le deuxième gagne. Ah, voilà. Tu as dit le plus de points, pas le plus de cartes. Le plus de points. Le plus de points. Donc, 8 points pour le premier, 6 pour le deuxième, etc., etc. Si à la fin de la partie, tu as une carte de chaque couleur, de chaque famille, tu auras 5 points en bonus. Ok. Et pour chaque paquet de 5 lingots qui te restera, tu auras un point. Un point pour 5 milliards. Ah oh ouais, c'est bon, c'est pas trop cher. C'est pas grand-chose, 5 milliards. C'est vraiment rien. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec 5 milliards de nos jours, je vous le demande. Ça marche. Donc ça, c'est pour les points de fin de partie. Celui qui a le plus de points l'emporte. Ouais. Donc, il va falloir remporter le plus d'enchères ou le plus d'objets intéressants. Mais j'imagine qu'il y a du twist. Mais il y a alors, un petit truc. Déjà, il y a les pouvoirs des objets oui. qui vont influencer aussi le cours de la partie. D'accord.
te pousser plus ou moins à les acquérir. Oui. Et il y a également le fait que, comme on voit avec cette carte-là, certains objets sont potentiellement des faux. Donc, alors, on va en révéler une et je te propose qu'on remélange histoire de montrer. Donc, on a un paquet de cartes indiquées faux qui sur sont, la caisse. Qui sont les pendants, bien évidemment, de tous les objets qui sont présents dans les caisses. Et planches. Là, en l'occurrence, la lampe d'Aladin serait une fausse lampe. Ouais. Mais on ne le sait pas à l'avance. D'accord. Il y a des rumeurs. Nous, on est un peu des insiders, tu vois. On est des gens de pouvoir, tout ça. Donc, on il y a des rumeurs chose. Comme quoi cet objet serait un faux. Tu vois. Mais un tout le monde n'est pas au courant. D'accord. On n'est pas au courant. Le principe, c'est qu'il va y avoir une carte faux. Ouais. Entre chaque joueur. D'accord. Cette carte-là va être commune à nous deux. Au début de la partie, on va la regarder chacun et nous deux, on saura que la lampe d'Aladin, c'est un faux. Okay. Mais par contre, Gersand et Dorian ne le sauront pas. Et moi, je suis au courant avec Dorian de celui-ci. Voilà. Ouais. Okay. On a chacun un objet faux. Donc, on est au courant de deux objets. Et il y en a quatre. Et il y en a quatre qui sont faux. Potentiellement au début, plus. Ah, potentiellement oui, plus. Okay. D'accord, super. Il y a certains objets qui peuvent rendre d'autres faux. Mais certains objets peuvent être réexpertisés par les experts de l'entrepôt 51 et finalement, c'est des vrais. Donc, ils peuvent être certifiés comme étant vrais, même si c'est un faux. Ouais, c'était une rumeur en fait. On a le droit de certifier un objet qui ne serait pas faux, mais juste pour être sûr. Alors en fait, tu vas voir comment fonctionnent ces jetons. En cours de jeu, tu vas gagner des objets qui vont te permettre de gagner ces jetons et tu les placeras sur les cartes que tu veux. De certifier. Pour les certifier. Soit celle dont tu es sûr qu'elle est fausse parce que tu la connais, soit celle que tu veux absolument pas qu'elle devienne fausse. Tu t'assures qu'elle soit vraie et tu vas la garder. Excellent. Ok. Une autre règle, tu peux, à un moment de la partie, ça risque d'arriver, tu peux te retrouver ruiné. Le temps que l'argent revienne à toi, ça peut prendre un peu de temps. Tu peux mettre un objet au clou. Sérieux? Voilà, tu as un prêteur sur gage. Murkenberg. Un prêteur sur gage qui a un petit budget de 20 milliards de dollars au début de la partie. Il s'appelle Azonma. C'est Azonma. Et lui, il va contre 5 milliards. Oui. Il va, tu vas mettre un objet au clou. Donc, tu vas garder ta carte devant toi et tu vas placer ce petit token dessus pour dire cet objet. Il est en gage. Il est en gage. Voilà, et je récupère 5 milliards 5 histoire milliards. De me refaire. Tu pourras racheter l'objet au prêteur sur gage pour 10 milliards. Oh, l'abus, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu cher. Mais ça peut te sauver la mise quand même. D'accord. Sachant que du coup, si un objet est gagé, il est plus considéré comme faisant partie de ta collection. Tant que tu ne l'as pas racheté. Donc, il ne rentrera pas dans ton décompte de points en fin de partie. Mais les effets. Ah, Doria, dis-moi tout. Alors, les effets de bénédiction, du coup, ne sont plus actifs. Ouais, mais les malédictions restent. Mais les malédictions restent. Oh, ça, c'est vache. Bah, ça a été maudit en même temps. Oui, c'est maudit à vie. Même si tu vas chez le prêteur sur gage, la malédiction, elle reste. Ah, ça s'accroche. Ça s'accroche comme une vieille odeur de sueur après un marathon, tu vois. C'est un truc. Oh, on sent que tu cours. Ah, je suis un poète. Un poète. Et on peut mettre au clou uniquement si on a 5 lingots ou moins. 5 lingots ou moins. Si tu es déjà super riche, tu ne vas pas gager tes objets. Il ne faut pas on exagérer. On est bien d'accord. Oui, ok. Voilà. On a fait le tour. On a fait le tour. Je remets juste une carte faux, puisqu'on avait vu la lampe d'Aladin, mais que je ne veux pas qu'on soit sûr que ce soit la lampe d'Aladin. Hop, je remets les autres cartes donc faux. Donc, on les conserve ici. Alors, celles-ci sont juste. C'est des cartes goodies qui ne sont pas dans la boîte à la base, mais qu'on va donner sur les salons ou à d'autres occasions. Eh bien oui, parce que effectivement, quand on est ça, on est joueur et qu'on a envie de voir un petit peu les joueurs, eh ben, on va les rencontrer sur les salons. Et pour les remercier d'être venus sur les salons, vous aurez la ceinture d'Aphrodite. Sincèrement, moi, même si elle est fausse, j'irai la chercher. Vous aurez l'anneau des Nibelungen, en plus de la barge solitaire de Ré, bien sûr. Et la Sébile, on dit la Sébile ? La Sébile de Bouddha. Donc, ce sont des petits objets goodies que vous pourrez retrouver sur le stand de Funforge, en l'occurrence, par exemple, à Essen. À Essen, oui. En l'occurrence, à Essen. Donc, nous, on ne va pas en avoir besoin. On va jouer avec le jeu tel que vous le trouverez. Sachant que ces cartes, la bonne façon de les jouer, elles vont remplacer des cartes du jeu. Ce n'est pas pour augmenter. Non, donc on les met à la place en fonction. C'est vraiment… C'est favori. Voilà, c'est okay. cadeau bonus. C'est cadeau. Eh bien, écoutez, enchérissons. Doria, tu me permets ? Vas-y, je t'en prie. Alors, ne regardez pas la caméra, chers joueurs, chers amis de Funforge. Je vais montrer aux internotateurs les deux cartes que je connais sur le faux. Alors, nous avons lui et lui. D'accord ? Ping, pouf et ping, pouf. Ok, c'est bon. Ça marche. Je vous laisse regarder les cartes faux. C'est vrai que j'y ressemble. À noter qu'on peut un peu loin. On peut les revoir à n'importe quel moment de la partie. D'accord. Et puis, j'ai envie de dire, gentlemen, gentlewoman, let's go. Alors, qui démarre l'enchère ?
Et sur quel objet? Alors, bah, c'est donc je vais être la première joueuse et je vais choisir la première carte de n'importe quelle famille et la révéler et la proposer aux enchères. Donc, je vais par exemple partir sur la famille des Bleus. Ouais. Et je vous propose donc d'enchérir sur les bottes de 7 lieues. Voici les bottes de 7 lieues qui valent 1. Elles ont un petit effet bénéfique, c'est ouais, ça qui est ici, immédiat. On peut échanger cette carte contre n'importe quelle carte de valeur 1 de la collection d'un autre joueur. Alors là, en l'occurrence, cet effet ne va pas s'appliquer puisque c'est la première carte qui sort et que c'est un effet immédiat. Ouais, dommage. Et du coup, les épées peuvent changer en cours de partie en fonction du moment où les cartes arrivent. Okay. Typiquement, tu pourrais vouloir cette carte parce que, pas parce que c'est une carte bleue, mais parce que tu sais que tu pourrais l'échanger contre une carte rouge. Et qui te permettrait d'aller chercher une collection et de prendre la majorité sur une collection. Qu'un autre joueur. Donc, c'est moi qui ai révélé la carte, mais c'est toi qui vas faire la première. Merci Doria, c'est pour ça que tu as choisi. c'est super vache. Les bottes de 7 lieues, est-ce que j'ai le droit de proposer 0? Non. T'es obligé de. Allez, je mets 1 milliard, mais c'est vraiment parce que c'est vous. Montre-nous. Tu mets... Hop là, il y a 1 milliard sur Je vais mettre 2 milliards. Cher Sandre, tu suis? On est obligé de monter, bien sûr. Obligé de monter, et quand on passe, on ne peut plus rentrer après en jeu. D'accord. Mais on récupère son argent. Alors, il y a une carte dans le jeu qui est le marteau de Thor. Alors, il n'y a pas Captain America, mais il y a le marteau de Thor. Alors, Philippe, je trouve ça… Parce que Captain America, ce n'était pas vraiment un dieu, si tu veux, nordique. Alors que Thor, avant d'être un super-héros, c'était un dieu. Il le mérite, d'accord. Et, allez, j'accepte. Il y a le marteau de Thor, donc, qui est une arme que tu peux récupérer, qui te permet d'enchérir pour la même valeur que le joueur d'avant. Donc, tu ne surenchéris pas. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est top. Il est très, très énervant. Bon, moi, je passe. Tu passes? Oui, mais de toute façon, je m'en doutais. Je m'en doutais. Vu ta classe, Gersandre, je ne mettrais pas des bottes aussi pourries que ça. Moi, je suis assez étonné qu'une fille passe sur des chaussures. Oui, mais c'est des bottes. Regarde, regarde à quoi elles ressemblent. Laisse. Tu vas être vraiment étonné parce que je passe aussi. Alors. Je vous les laisse. 3 ou rien. 3 ou meurt. En sachant que ça va aller à. Si tu gagnes l'enchère, à moi. Ouais, c'est ça. Bah, je passe. Donc, j'ai gagné l'enchère. Pour deux, c'est peut-être pas pour beaucoup, deux en fait. Donc je donne mes deux à Gersand et j'ai gagné ma première carte bleue. Donc, comme c'est moi qui ai remporté l'enchère, c'est moi qui prends la main. Qui va redémarrer. Alors du coup, tiens, je vais même mettre la mienne un petit peu au-dessus, comme ça en caméra du dessus, on verra à peu près toutes les cartes. Voilà, je vous on va sortir une carte verte un pour voir un peu de diversité. C'est la tunique de Néphus. Alors cette carte est maudite. Super. Et elle fait que tu perds toutes les égalités au moment du score. En fin de partie? En fin de partie. Au moment du score. Donc les égalités de majorité. Ok. Mais j'entendais bien. Ok. Oui, donc non. Ok, vas-y, je t'en prie. J'y ressemble. Qu'est-ce que t'en. Ta tunique, là? Oui, de toute façon, elle n'avait pas le droit de mettre. Elle pouvait passer immédiatement. Tu peux passer. Si tu mets 0, tu passes. Ah, mais tu peux passer. Coup, tu mais tu le branches complètement. Oui, je comprends. Je passe. Tu passes. Moi, j'ai peur de ces égalités, parce qu'il y a quand même finalement assez peu de cartes. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a à peu près 12, 13 points. Ouais, si on perd toutes les égalités, ça craint. Non, je passe aussi. Bah, moi aussi. Allez. Donc, l'objet est défaussé. Doria, tu viens de gagner. Ah, t'avais mis un, pardon. Un milliard. Un milliard. Tu viens de gagner un milliard. Tu vas mettre la tunique maudite et je la prends. Oui, c'est ça. Les bottes pourries. Non, mais la tunique maudite. Je ne crois pas les stéréotypes. C'est ça. Ne tombons pas dans les stéréotypes. Pas du tout. Alors, attends, je regarde. Pouf. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. Amenons-nous au co. Donc là, c'est une arme. Qui est donc une arme des légendes japonaises. Alors, je ne voudrais quand même pas dire, mais cette arme, elle vaut 3. C'est la seule dans la collection rouge qui vaut 3. Ouais. Collection rouge qui n'est représentée que par 5 cartes. Ouais, elle vaut donc, cher. Alors, sont pesantes cacahuètes. C'est une arme, donc c'est une enchère à point fermé. D'accord. On va choisir secrètement combien on veut mettre pour la remporter. À point fermé. Ok. Ok, donc on révèle. 1, 2, 3, 1. 5. Les malades. 3. Donc c'est Gersand qui a gagné. Et puis Doria qui se frotte les mains puisqu'elle vient de récupérer 6 milliards. Ah, riche. Non mais sincèrement. Ouais. Sincèrement. Tiens Gersand, si tu veux bien, on va rapprocher un tout petit peu tes cartes. Comme ça, on verra quelles sont les cartes que tu as déjà dans ta collection. Impeccable. Voilà, comme ça, on voit tout. Et donc, du coup, Gerson, tu relances les enchères. Et donc, on va aller jusqu'au bout du… Une fois qu'il n'y aura plus d'objets, on arrête. Bon, eh bien alors, allons-y. Allez, bleu, je te la retourne. Excalibur. Ouh, le Saint Graal, vache, permanent. Ouais. Si vous mettez le Saint Graal en gage, vous prenez 10 lingots au lieu de 5, mais par contre, il faudra payer 15 pour le récupérer.
Ah oui, d'accord. On met de l'argent et il en ressort de l'argent. Ouais. Écoutez, allons-y. Ça vaut quand même 3 dans la collection bleue. Hein. Ouais. Donc je vais y aller tranquillement. Sachant que la collection bleue est la collection qui est la plus moisie de malédiction. Moi je mets 1. Tu mets 1. Je continue à 2. 3. Ouais, j'aime bien Philippe, il dit 3 mais il met 2 genre. Genre. Ça triche. Il te reste encore 5 milliards seulement. Mmh. Ouais, c'est ça le problème. Il va falloir te refaire. Il va falloir te refaire. Ah, mais ça, c'est la tunique. Je hein, sais pas coûte cher. C'est bien tes vêtements c'était, après. C'était pas en solde. C'était pas en solde. Non, pas ça, après, je l'ai plus. Ok. On est à 3. On est à 3. Ouais, t'as un max de thunes. T'es blindé, ouais. Dorian. Vas-y. Mais ouais, vas-y. Crache un petit peu. Allez, 4. 4. Impeccable. Nickel. Je vais mettre même 5, moi, regarde donc. Hop. Tellement il est bien, Saint Graal. Il est bien, c'est vrai. Ouais. Saint, S-A-I-N-T. Hein. Non, mais je précise parce que. On ne donne pas un nom. Ce serait pas très sensé. Non, c'est ça. Non, je passe. On pourrait l'appeler. Tout ça, tu passes ? Je passe. Ok. 5. Est-ce que tu mets 6, Dorian ? Non, je te laisse. Sérieux ? Ah, coupe de l'argent. Ça peut valoir largement 6. Ouais, largement. Ouais. Donc c'est à toi. Hein. T'as flippé. Ouais. Ouais, c'est à moi. Ok, je récupère le 5 grade. Je t'engraisse. Eh bien écoute, puisqu'on en est là, on va continuer un petit peu. Bleu, j'aime bien. Je suis parti sur 3. Donc, oula. Maleus Maleficarum. Donc c'est un objet maudit. Si vous n'obtenez pas la première ou la deuxième place dans cette catégorie, c'est moins 3 points pendant les dents. Ouais. Bon, il vaut quand même 2. Il vaut 2. Ouais. Allez, tiens, moi je vais miser 2. Attaquons. Ah non, c'est pas moi qui mise. Non, c'est toi qui mise. Pardon, excuse-moi. Donc maintenant, je sais que tu le veux. Non, je veux pas du tout. Ah non, c'était juste histoire de te faire un petit peu. Les objets maudits, je suis pas super fan, je vais le laisser. D'accord. Non, moi, j'en ai déjà un. J'assume pas. Ça me suffit. Bah, j'ai une catégorie moisie. Tu passes. Donc, okay. Tu peux mettre 1. Voilà. Je mets 1. Voilà. Donc, il y a plutôt intérêt à ce que je ne perde pas. C'est la catégorie ouais. Bleue. Mais t'as pris une bonne option là. T'as 5 points déjà. Ouais. Eh bien regarde, tiens. Pont, la corne de licorne, dont on fait des baguettes magiques, n'est-ce pas, Monsieur Malfoy? D'ailleurs, c'est Monsieur Potter. Annuler l'effet d'une carte faux après qu'elle ait été révélée. Ouais. En sachant. C'est suprapuissant. C'est suprapuissant en sachant que si la corne elle-même est un faux, son effet ne s'applique pas. Ouais. Ah oui, puisqu'elle n'a pas de pouvoir. Ça peut être sûr que ça. Tricky, ouais. Vas-y, Philippe, qu'est-ce que t'en veux enfin, qu'est-ce que t'en proposes plutôt pour la corne de licorne? J'ai que 1 en bleu. Moi, j'ai que 5. Ouais, allez, je vais mettre 1. La famille bleue, c'est 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 points pour la famille bleue. 3. Ouais. 3. Ah, ça bataille là. Hein. Ouais. C'est une corne de licorne. Alors, vous qui avez... Oui, c'est vrai, tu as raison. La licorne, c'est un animal fabuleux. Normalement, il n'y a que ces dames très pures qui peuvent la monter. Est-ce que c'est un jeu, si jamais je me retrouve sans sous, c'est embêtant quand même pour un jeu d'enchères. Tu peux attendre un peu avant que l'argent revienne. Parce qu'il n'y a mais en même temps, ta voisine de droite étant riche, il y a des chances qu'elle enchaîne assez rapidement sur des objets. Ou pas. Et que l'argent puis-je te faire confiance, Dorian. Ou alors, elle va s'il te plaît. Sinon, je fais de la rétention. Et après, tu pourras gager un de tes objets. Oui, bien sûr. L'espoir d'en récupérer. Et puis, même moi, au bout d'un moment, il va falloir quand même que je récupère des cartes. Surtout parce que l'argent n'est pas grave. Si je le mets en gage, je récupère 10. C'est classe. Bon, allez, je mise 4. Je suis un ouf. Ouais, non, moi, j'arrête. C'est trop pour un objet à 1. Gersandre, dis-moi que tu vas mettre 5. Tu te ruines. Tu te ruines. J'aime pas l'idée de ne pas avoir de jargon d'or. Pour une petite milliardaire, ça me fait mal. T'es super vénale. Ouais, c'est ça. Mais attends, t'as vu le profil que je joue complètement en personnage. Le personnage, c'est ça. Non, roleplay. Je vais garder. J'ai pas envie d'être dans une situation. J'ai pas de temps. Ça m'embête quand même. Bon, 5. Qu'est-ce que c'est que 5 milliards pour toi? T'es blindé. 5, je suis blindé de thunes. Étant donné que je ne peux pas monter, je te le laisse automatiquement. Ouais. Et donc, je récupère ces 5 milliards pour avoir mes 4. Par contre, du coup, toi, tu as un faux qui est protégé, peut-être, si la licorne n'est pas fausse. Ah, j'ai cru que tu me donnais une information. Non, non, pas du tout. Ah non, ah ouais. Attends. Ah, d'accord, mais... Il y a marqué crétin ici. On sait jamais. Oh, c'est vrai. Ça peut être du bluff. Attention. Ah ouais, ça peut. Est-ce qu'il y a une couleur qui te scierait? Alors, on a ouvert au rouge. Oui. Donc, on va continuer au rouge. Alors.
Les pêches de l'immortalité. Ouch, si c'était vrai seulement. Alors, cette carte fait partie des cartes qui ne peuvent pas être fausses. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas dans le tas des faux? Ouais. Oui, elle n'a pas de carte faux. Elle n'a pas de carte faux. Donc, c'est là où on en est sûr. Ouais. Bah, c'est plutôt cool. C'est un rouge à 2, je vais démarrer à 3. Ouais, c'est valable. 3 milliards. 4 milliards. Pouf. J'aime beaucoup ce 4 milliards parce que Gersandre n'a plus que 5 milliards. Ouais. Donc elle se dit, je mets tout. Autant dire qu'elle est quasiment ruinée à 5 milliards. Ah, c'est vraiment... J'aime bien. Dans l'ambiance actuelle, ce jeu fait tout à fait une espèce de moralité. Je pense qu'on va en vendre plein en Grèce. C'est ça, c'est ça. T'as pas la statue d'Athéna Niké? Non, c'était peut-être pas assez légendaire comme objet. Non. Allez. Elle met 5. All-in pour Gersand. Et moi, Dorian en chérie à 6. Eh, mais vous êtes des grands malades. Tu mets 7? Ouais, je mets 7, ouais. 7. 7. Est-ce que tu montes à 8? Si tu montes à 8, Gersand va récupérer un max de paquets. Ouais, je sais, mais j'ai pas trop envie, justement. Bah donc, non, mais c'est bon, laisse. Bon, allez, non, c'est bien comme objet, je vais mettre 8. Non, c'est pas possible. 8. 8. Tu montes pas à 9, Dorian? Bon, tu peux, vas-y. En même temps, t'as qu'un seul objet pour l'instant, ça serait bien. C'est pas ta timide. Toi, t'aimerais bien avoir mes 9 lingots, hein. Après, je vais mettre vachement de temps à récupérer la thune. En fait, c'est génial parce que même quand c'est pas pour gagner, t'influences les autres pour avoir de la thune. Donc, c'est... non, je vais passer. Oh, purée. Donc, t'es à 9. Tu peux battre si tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne peux pas, donc forcément, tu l'as. Ah, tiens, ça se rapproche de moi, les sous. Ça se rapproche de moi. Tu as les pêches de l'immortalité. Fort bien. Déjà, vu. Je suis mortel maintenant. Bah oui, enfin, si tu croques dedans après. Alors, que révèles-tu? Je vais révéler du vert. Oui. Non, du jaune. Ah oui, on n'a pas commencé le jaune. Ah bah, l'arche d'alliance. Ah, bon. Là, l'arche d'alliance. Donc, donc qui ne peut c'est pas également plus. Un objet qui ne peut pas être un faux. Okay. Et elle vaut 3. Elle vaut 3, c'est génial. Je vais mettre 6. Craqué. Non, pas 7. Pas 7. L'us. Ah, parce que tu as de l'argent que. Bah oui. T'as combien toi? Purée. J'ai beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milliards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est montée à 7. Moi, je monte à 9. Oh, ah, alors, mais ça, c'est tellement petit. Juste pour pas que je puisse participer. Mais attends, elle peut remonter. Hein. Oui, mais moi, oui, je mais peux plus, est... moi. Ouais, bah, ouais, moi, je suis fini. Ok, bah, j'en veux pas de l'arche d'alliance. Voilà. T'es cruel, mais sincèrement, ouais. T'es cruel. Ouais, j'avoue. À quoi joue-t-on ensemble aujourd'hui? Il y aura vengeance. Ça met du temps, on sera bien à nous. Hein. Mais non. Donc en fait, on gère des enchères, mais on gère aussi le flux d'argent. Voilà. Ouais, on gère aussi ses voisins. T'as combien? Oui, c'est ça. Ah ouais. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est vrai. Il y a des gens qui nous ont dit c'est bizarre comme système de donner argent à son voisin, mais en fait c'est au final beaucoup plus rigolo que de ça donner. Ça fait une partie du fun de savoir à qui est-ce qu'on va donner l'argent et pour quelle allez, 11. Collection. 11. Vas-y 12. Mais 13. Non là tu mets tout là. C'est l'arche d'alliance quand même. Tu mettrais 13, tu mettrais tout pour l'arche d'alliance, sachant que peut-être elle pourrait être fausse. Non, elle ne peut pas être fausse. Oui, oh, mais je tentais ma chance. Tu viens de gagner 11. Ça, c'est cool. C'est cool. Donne-moi. Merci, Gersandre. Ah, ouf, je me sens un peu plus légère. Hein, ah, c'est clair. Oh, j'ai plus qu'un petit milliard, j'ai plus qu'un petit milliard, tout va bien. Ah non, on entend ça à cadavre. Allô, Vuitton, revendez 300 000 sacs à main. On va continuer dans les bleus. Le golem. C'est une carte malédiction. Ouais. Vous devez défausser une autre carte relique de votre collection. Ça fait mal. Ouais. Donc c'est là que tu as envie d'avoir une carte qui vaut 1 et potentiellement de te dire j'espère qu'elle est fausse. Ou de savoir que... Ouais, super. Ouais. Mais je la veux pas du tout, moi. Ben, tu passes. Je passe. Moi aussi. Pareil. Donc dans ces cas-là, elle est défaussée. Elle est défaussée, elle sort du jeu. Oui, donc en fait, là, l'intérêt du golem, ça pourrait être de vouloir vraiment marquer les deux pour la majorité, ouais, sans avoir, et en ayant un à perdre. Ouais. Ouais, donc ça, c'est un circonstanciel. Ça dépend toujours exactement de quel moment elle tombe dans la partie. Tu peux très bien aussi avoir eu une carte avant qui était un immédiat, un effet immédiat, donc tu as bénéficié de l'immédiat, elle t'a pas forcément coûté très cher, et donc du coup, ça t'embête moins de s'en débarrasser. Ouais, est-ce que j'aurais même pu me débarrasser d'une carte avec une malédiction? Oui, mais oui. Ah, ça oui. Te force parce que du coup, mon malus. Tu aurais pu gagner cette carte qui vaut 2, virer à la place de mon malus. Malus. Ah oui, ouais, j'ai été bête. Ok, mais oui, c'est bon de le savoir. Okay. Ça peut te permettre d'enlever une carte. Donc du coup, c'est moi. C'est toujours à toi. Ouais. Je retourne, donc on va rester dans les bleus. La pierre philosophale. La pierre philosophale. Alors cette carte est forcément un faux. Voilà. Sauf.
sauf si tu arrives à la faire expertiser et à la faire devenir une vraie relique. Et il y a donc la corne de licorne. La pierre philosophale, c'est du pipeau. Le livre de Thoth et Klepnir aussi. Ouais. Ok. Qui sont les trois cartes, donc deux cartes qui donnent le certificat. Donc globalement, là, c'est clair que si tu remportes cette carte, tu vas vraiment chercher à remporter une carte qui va permettre de la certifier comme étant une vraie relique. Sauf que là, du coup, je vous donne un max d'informations sur mon jeu. Je vais quand même miser 3. Hein, Dorian ? Oui, c'est bien. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je passe. Tu passes ? J'allais dire, Gersandre se tâte, mais c'est presque vrai puisque du coup, elle tâte son avant-bras pour savoir ce qu'elle va faire. Ça me fait marcher l'esprit. Allez, 4. Moi, j'hésite. Avec 1 milliard et 1 milliard. Philippe, 1 milliard est là. Ouais, sérieux. C'est ridicule. 4. On fait rentrer les pauvres maintenant dans ce club. Allez, on en est à 4. Je vais monter à Philippe. Tu as combien ? J'ai 6. Oh, je vais te la laisser. Mais j'ai passé, donc, de toute façon. Non, mais c'était pour pas lui donner de l'argent. Ah, c'est sympa, je te remercie. C'est un beau geste. Hein. Ah, mais non, mais c'est chevaleresque. C'est chevaleresque. Je reste sur mon tas d'or. Tel Smaug. Smaug. Le maudit. Vert. Alors, nous dévoilons la toison d'or. Cette truc n'a pas d'effet, mais elle vaut 2. Elle vaut 2 quand même, dans une collection de verres. Alors, qui ici a la plus belle toison ? Et c'est qui ? C'est Doria qui... C'est moi qui enchaîne. ...mise. Oui, excuse-moi. J'ai hésité, je me suis dit non, fallait peut-être pas la faire. Laisse tomber. Allez, 2. Ok, 2. Eh bien, je vais partir sur 4. Ah ouais, comme ça. On joue moins maintenant qu'on a plein de sous. Hein. Bah, je passe. Ouais, t'as vu, hein. parce qu'avant, je chouinais. Ah ouais, d'accord, c'est là. 5. Ça, c'est fait ? Non. Non. Bon, 6. Moi, j'ai passé. C'est une belle toison à deux, hein. Elle brille un peu. Elle brille un peu. Elle fait un chaud l'hiver aussi. Bah, elle est en or un peu, donc elle peut briller. Oui. Elle peut briller, oui. Est-ce que ça vaut plus que 6 ? 6 milliards. Mince, j'ai oublié d'essayer d'analyser si vous passiez ou pas et que vous auriez pu enchérir pour savoir si c'est défaut. Ah, ça c'est ballot, ça. Truc, ouais. Ah, ça c'est ballot, j'ai oublié. Je ne sais pas où. Bon, tant pis. C'est le moment où il faut spotter les arguments de mauvaise foi. T'es passé à 7. T'avais fait 6, hein, c'est ça. Hein. Oui. Je peux mettre 8, c'est vrai. Regardez. Hein. Hop, 8. Non, je suis pas là. Cool, t'as vu ça ? T'as vu ça ? Si c'est bon. Allez, pend la toison d'or. Crac, 2. Alors, on va démarrer. On n'a pas vu beaucoup, mais j'ai envie d'assurer. J'ai encore les moyens d'assurer. Oui, donc on va repartir sur du vert. La corne d'abondance. Permanent. Donc, pour mettre en gage une carte 10 lingots au lieu de... 5 lingots. Alors, en fait, c'est au lieu de 5. Oui. Si tu l'as... La limite est plus basse. D'accord, alors, ok, j'entends. Ça marche. Tu peux mettre en gage même si tu es riche. Même si tu es riche. Histoire d'en récupérer un petit peu. Bah oui, c'est la Je vais mettre vert, j'ai pas grand chose, je vais mettre 1. Je regarde juste s'il y a quelques questions en ce moment sur, sur le chat. Allez, 3. 3 pour toi ? Ouais. Pas de petites questions sur le chat. Je vais démarrer à 4. Tac. Tu peux faire 5. Avec l'argent que je t'ai donné. Ça vaut que 1. C'est vrai. 4. Bon, cela dit, elle a un effet qui est sympa. Allez, je vais faire 5. Bien. Gersandre. Allez, Gers. Un petit effort. Dis-nous. Dis-nous que tu peux faire 6. N'aie même pas peur. 5, 6. Non, je vais laisser. Allez. Tiens, si tu veux, Gersandre, tu peux même remonter un tout petit peu le petit bonnet du micro, tout doucement. Voilà, pardon pour les cric-crac, mais au moins on entendra bien. Moi, je passe. Alors, tu es à 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 4. Eh bien, je vais mettre 2 de plus. Non, mais je te la laisse. Tu me la laisses ? Ouais. T'es sûr ? Ouais. Mais ça fait plein de sous encore. Je suis sûr. D'accord. Arrêtons sur le fric, là. Tous les lingots. C'est Fort Knox. C'est ça. C'est tout chez toi. Mais au moins, j'ai 3 dans la famille. Verte. Et c'est donc à toi. Non. Si c'est moi qui l'ai remporté. Est-ce qu'on a vu passer ? Je suis même pas sûr de ce qu'on a vu passer en fait. N'oublie pas que tu peux avoir 5 points si tu as un objet de chaque couleur. Ah oui, c'est vrai. En fin de jeu. Il faut essayer d'avoir des petites séries. On va partir sur
du bleu, histoire de compléter un petit peu. Oh, le mortier de Baba Yaga. Vous ne pouvez plus mettre vos reliques en gage. Tiens, ouais. Pan. C'est un effet permanent. Permanent. Glups. qui va très bien avec la corne d'amour. C'est ça. Non, ça ne m'intéresse pas des masses. Alors, combien en bleu? 3. Ouais, ouais. Je suis vraiment à la traîne en bleu. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Je suis 3 à la traîne en bleu. Il y a plus assez de cartes. Non plus. Il y a eu un petit, petit temps d'hésitation. Est-ce que je la prends pour 1? Je compte pas mettre en gage. Je serai deuxième, tout ça. C'est jamais. En même temps, c'est jamais. Ça fait des points. Mettre en gage, ça peut Il m'a semblé l'avoir vu en objet faux, mais je veux pas. Ah, tout à l'heure, quand on mélangeait le paquet, tu veux c'est dire C'est ça, tout à fait. D'accord. Elle était dedans. Ok, ok. Enfin, elle était. C'est pas celle-là? Non, Philippe, tu confirmes? Non, je vais passer. Je passe aussi. Donc elle ok, elle s'en va. Eh bien, on va découvrir le dernier bleu. Et c'est Excalibur. Qui n'a pas de pouvoir. Elle vaut 2. Contrairement à la légende. Enchère à point fermé. Enchère à point fermé. On cache. On cache. Bouf. Peut-être pas non plus charrier. C'est bon? On fiche. Ah, vas-y. 4. 5. Alors, quand il y a égalité. Quand il y a égalité, c'est le plus proche du joueur qui a révélé la carte. Donc, c'est dans le sens horaire. Donc c'est toi qui as révélé, donc c'est Gersand. Gersand qui l'emporte. Les 5 sont pour Doria. Ah là là. 5 milliards et tu as Excalibur. Du coup, vous êtes à égalité. Ça craint. Ça craint. Ouais. Quand il y a égalité, on se partage les points. Non, alors. Il n'y a pas de premier. Égalité sur le si c'est égalité sur la première place, ouais. Vous marquez tous les deux le score de la deuxième place. Deuxième. En revanche, si vous êtes à égalité sur la deuxième place, personne ne score. Personne ne score. Ouh, ça fait là, par mal. Exemple, on est à égalité sur la deuxième place avec Doria, on n'aura pas de score. On n'aura pas de points. Pas de points. Et ouais, c'est le cas pour l'instant. Ouais, c'est à toi. Gersand, que veux-tu? Quelle couleur? Parce que là, on approche. Oui, on a fait largement le milieu de partie. Parce qu'on n'a pas fait beaucoup. Ouais. Le livre de Thoth. Donc, il donne un certificat. C'est un des objets qui donne un certificat d'authenticité. Ah oui, excellent. D'accord. Et en plus, c'est un 2. En plus, c'est un 2 dans la collection et, jaune. Et ouais. Du coup, pour le coup, celui-là, même si c'est un faux, il aura quand même servi à avoir le certificat. Ah oui, parce qu'on le prend. À noter que le certificat, tu le prends. Au moment. Tu le prends, tu le mets à la fin du jeu. Mais tu le prends. Tu le prends. Ah, c'est bon. D'accord. Donc, dans tous les cas, son effet est actif. Actif. Même si tu la gages après. C'est moi qui commence. Ah, j'ai plein de sous. Ouais. Excusez-moi, c'est une carte que je n'aurai pas. Ah oui. C'est riche. Je vois pas pourquoi. Philippe, Tats, on t'adore. Peut-être que je peux récupérer de l'argent. Allez, je vais être méchante. Je vais mettre 5. 5. Allez. J'y vais pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crac. 7. Moi, je vais vous regarder en pleurant. Dans le désert. Dans le désert, c'est ça. 7, mon ami. 7. T'es dur. Ouais, il est là, oui, là, en chair. Oui. Je vais mettre 8. 9. Oui, parce que vous avez considéré que je passais parce que je ne pouvais plus. Merci, c'est gentil, les enfants. Merci, c'est bien, c'est bien. Je suis à combien là, du coup? Je suis à 8. 8. Tu mets 10. Pauline, c'est chaud. C'est chaud. Est-ce que moi, il reste encore plein de pognon? Non, mais il faut lui laisser. Parce que là, ça si va tu... te revenir. Là, ça te reviendra. Ça te revient. Là, ouais, parce que là, elle va payer. Tu vas pouvoir miser. Il va bien m'embêter sur la majorité des jaunes. Ça, c'est vrai. Ça, je ne vais pas me gêner. Hein. Ça, je me doute bien. Je te le laisse. Parfait. Ok. Hop. Donc, tu prends un certificat. Je prends un certificat que je garde. Ok. Pour la fin de partie. Alors, celui de la licorne, elle annule. C'est pas un certificat. C'est une fois que les cartes faux ont été révélées, elle annule une carte fausse. Une carte fausse. Voilà. Okay. Il y a deux cartes qui donnent un certificat et celle-ci. Et celle-ci, c'est ça. Sauf si elle est fausse elle-même. Sauf si elle est fausse elle-même, on le disait tout à fait. Je vais prendre jaune. Bah oui. L'annonce du destin. Malédiction. C'est une malédiction. Une arme enchère à point fermé. Donc on ne peut pas participer à l'enchère suivante. Le joueur qui remporte cette arme passera son tour au tour d'après. Ça craint. Elle vaut 1. Ça craint. Ouais. Je tente ma chance. Prêt? C'est bon. Ok. 3. C'est pour toi. Donc tu ne participeras pas. Ça sent un petit peu le fail. Ah, c'est une sale malédiction quand même. Doria se dit que peut-être la lance, c'était juste un bout de bois. C'est probablement qu'un bout de bois avec un bout de sélect. Et
Tiens, le truc rouillé au bout. Voilà, et une petite peinture dorée, vaguement. Ouais. Vaguement dorée. Vaguement doré. Made in Taiwan. Bon, bah, c'est à toi. Alors, quel objet choisis-tu pour ne pas participer? C'est ça. Alors, en gros, de quoi tu n'as pas besoin? J'ai besoin de tout. C'est vrai. Allez, on va voir chez les rouges. Rouge. Yatano Nagami. Nokagami. Vous gagnez toutes les égalités. Ouais. Bon sang, c'est celui dont on parlait. Allez hop, je mise 3 dessus. Crac. Alors, en l'occurrence, si c'est Gersand qui le prend, oui, ça va annuler sa tunique maudite. Ouais. Les deux effets sont... Les deux effets s'annulent en plus. Elle ne gagnera plus, mais elle ne perdra Attends, pas. Attends, je vais miser 5. Ah ouais, comme ça. Bah oui, 3 points. Quand même pas non plus la lui laisser. Ah oui, mais ça va donner de l'argent derrière. Oui, ouais, mais ça, c'est pas très grave. Parce qu'après, on en deal. Pas que ça ah, remarque, attends. Ah, bah, t'as dit je passe, hein, Philippe. Non. Bon, d'accord, je passe. 6. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 8. Bon, allez, vas-y, d'accord, je te laisse. Mais c'est bien parce que c'est toi. Ah, des sous. Tiens, regarde, Doria, 8 sous grâce à moi. C'est pas gentil, ça? Je te remercie bien, vraiment sans toi. T'as intérêt à ce que ça revienne, hein. Surtout que c'est peut-être un faux. Surtout que c'est peut-être un faux. Bah oui. Mais non, on l'aurait vu, on l'aurait vu. Donc c'est à toi. Quelle couleur? Et oui, là, il a commencé à avoir de la réflexion, hein. Sur le dernier cas. Ben oui. Jaune, le tapis volant. Prince Ali, oui, c'est bien lui. Cette relique n'a pas d'effet, ouais, mais elle vaut 3. Elle vaut 3, ouais. Elle vaut 3, ça ouais, cartonne. C'est bien. Tranquillement. Ah ouais, 2. Allez. Eh ben écoute, moi, je vais mettre 4. Pon. Et puis même 5. Oh. Bon, alors, d'accord, 6. Parce que ça fait râler Philippe. Alors, ce qui est... Alors, je suis... Vous l'avez peut-être vu, chers internotateurs et internotatrices, pas très doué dans les jeux d'enchères. Parce qu'il y a des moments où tu veux vraiment quelque chose, tu mises beaucoup et, ouais, et tu craques. Et moi, j'arrive pas à bien évaluer. Là, dans ce jeu-là, l'avantage, c'est que si tu craques, c'est quand même quelqu'un d'autre qui en profite et ça te reviendra à plus ou moins longue échéance. Ouais. Donc, c'est moins frustrant quand on n'est pas bon aux enchères. Moi, je mets 7. Là, quand même. Moi, je vais passer. D'accord. On est à 7, Doria. Eh oui. 8, c'est bien. Oui, mais il prend la majorité. Et tu peux la récupérer en mettant 8. C'est vrai. Et t'as les sous. Mais ils viennent d'arriver. Mais ça s'en va et ça revient. C'est... L'argent, ça va. C'est ça fait de tout petit rien, tu sais. Extrêmement dépensier avec ça. Allez. Ah, c'est la classe quand même, le tapis volant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas plus. T'es à combien? T'es à 7? Non, 7, 8. Tu t'arrêtes à 8. Mmh. Ok. On va voir si tu le veux vraiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8 et 9. Tu peux. Tu peux faire 10 et tu prends la majorité. Ouais, la majorité qui te rapporte 6 points 9. De victoire. Ouais, bon, allez, 10. Bien. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. 11, avec ce que tu as misé, c'est pas grand chose de plus. Tu peux, mais vas-y. Tu la fermes, Guillaume? Non. Le diable, voilà. Ah non, je passe. Oh, il se déballonne à chaque fois. Bon ben, je passe aussi. Bah, oui. Là, j'y ai cru quand même. Hop. Je pensais que t'allais m'aider un peu plus que ça. Non. J'espère que c'est en vrai. Tu m'as trop poussé. Oui, c'est vrai. C'est souvent le cas. Ah, il me reste plus qu'un milliard. Oui, mais t'as un certificat d'authenticité. Tu disais pas tout à l'heure, on laisse entrer les pauvres. C'est ça. Ouais. Alors, on va Ah, le marteau de Todd. Donc, ça, je sais que celui-là, tout le monde va le vouloir. La vache. Donc, c'est celui qui te permet, si tu n'enchères pas inférieur, montant égal. Il te permet d'enchérir un montant égal. Allez, les riches. Moi, ça va être super mystérieux ce que je vais miser. 11. On sait jamais. Sur un coup de bluff, ça peut marcher. On ne sait jamais, ouais. 11, aime ses lingots. On a trop de lingots dans la main. C'est dur, c'est dur. Ok. C'est bon. C'est bon d'ensemble. J'ai pas compté du coup. J'ai tout mis. J'ai mis une poignée de lingots, mais je sais pas combien c'est. Ouais. Apportez-moi une poignée. C'est très bon. Je rappelle, c'est les lingots d'une tonne. C'est ça. C'est pour ça. C'est 1, 2, 3.
10. Ah oh, la vache. Tu okay. savais que tu mettrais une blinde. Ah, c'était t'as ça. Mis 10. Elle veut tout le temps le marteau. Elle veut ouais. le marteau de Thor. Mais ça en lui temps, fait quand même c'est, point, hein. c'est la carte qui est tellement pénible pour tous les autres. C'est clair. Ah, c'est vrai que celle-ci. Ah, tu perds au début, mais tu as ouais, ça, fait, ça te fait un beau 3 verts. Ah, non, hein. c'est, ouais. c'est, bon, je suis deuxième. C'est le marteau de Thor. Ouais. Je suis deuxième. Alors, dadada, on va aller sur. Ouh là, il n'y en a plus que deux. Ouais. Est-ce que la corne d'abondance peut se mettre elle-même en gage? Oui. Oui, bien sûr. Tu peux gager n'importe quel objet. Et c'est juste qu'ensuite, du coup, son... oui. Oui, par contre, une fois qu'elle sera gagée, ouais. son effet ne marchera plus. Alors, une jaune, c'est la lampe d'Aladin. Ah bah. Donc, elle vaut 2 et au score, elle te rapporte un point supplémentaire. Donc, le score point de victoire, ouais, hein, ouais. pas le score final. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est moi qui enchéris là-dessus. C'est du jaune, et ben ça m'intéresse. Je vais partir sur 6. Histoire qu'on puisse jouer avec Gersandre. Je vais passer. Voilà, je vais habilement passer. Avec ton milliard, ta tonne. 7. 7. Tu veux mettre 7 juste pour le plaisir ? On a vu tout à l'heure que c'était un fou. Allez, c'est pas grave. 8. 9. Ok. 10. J'ai envie d'avoir le marteau de temps, tu vois, ça devrait coûter moins. Bon, j'ai envie moins de soupe pour jouer. Ça vaut pas le coup, t'as pas de jaune. Bah, justement. Bah ouais, ça ferait quand même une série. Mais ça, ça lui fait 5 points. D'où ça lui fait 1 point. Le 7. Oh oui, oh, j'ai, pas... j'ai bien aimé la question. D'où ça lui fait 5 points. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Tu as dit qu'une de chaque. T'as 11 11, n'importe quoi. Bon, non, mais 12. La famille abandonne. 12. J'irai au bout. Hein. C'est risqué. Hein, parce je peux monter à 16. Hein. Si t'as pas la suivante. Bah, abandonne maintenant. Bah non, si elle n'a pas la suivante, après... Non, mais après, elle a craché, il a dit qu'il ira au bout. Non, mais oui, mais ça n'aura pas le temps de revenir jusqu'à toi. Ça va rester stagner chez Phil. Il reste 1, 2, 3, 4. Il reste plus que 4 enchères. Hein. On est quand même dans les derniers tours. Puis tu pourras toujours mettre au clou ta tunique... Ta tunique maudite. Ah non. Ta tunique moisie. Allez, Gersandre, laisse-moi le... Non. Laisse-moi lui laisse pas. Lutte. La lampe d'Aladin. T'es pas à égalité, t'as combien toi? Non, mais elle est. Ah non, elle est devant, c'est pas bon. Non, je te laisse. Ça marche. Ah, de l'argent. Ça, t'as vu ça? Ça peut encore revenir. T'as vu ça? Impeccable. Je pense la lampe d'Aladin, crac. Trop radin sur la fin. Mais l'argent, il rapporte pas grand-chose. Allez, on va démarrer sur du. Vert, hein, pour le marteau de Thor. Ouh, la boîte de Pandore. Immédiat, piochez 2 cartes faux. Ah, ça, c'est vous bien. Les regardez secrètement. Vous en gardez une face cachée devant vous. Elle sera révélée en même temps que les autres. Tu rajoutes une carte faux, tu es le seul à connaître. À connaître. Oh, ça, c'est très, très bon aussi, ça. Sachant que du coup, il y a un objet qui n'était pas un faux, qui va le devenir. Oh la vache. Surtout qu'en fin de partie, c'est tout puissant, là. Ça peut être tout puissant. Ça peut être aussi deux de ta main. Hein. C'est une bonne cochonnerie. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça, c'est ballot. Hein. Mais en même temps, tu as ouvert la boîte de Pandore. Hein, donc, ah oui, c'est ça. Faut t'attendre à toi. Thématique. Je t'en prie. Tu commences à 1. 3. Ok, 4. Non. 5. Guillaume, t'es en train de faire une andouille. 4. Parce que sinon, il n'y a aucune chance que ça revienne. Moi, bon, j'ai d'ailleurs aucune chance que ça revienne. 6. Bon. Je vais mettre au clou. Pardon, je vais mettre au clou. Ah, ta lampe. Merci. Ta lance, pardon, du destin. En fait, elle a l'air moisie. Donc, tu gagnes 5 milliards. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Bien vu. Tu injectes de l'argent frais dans le jeu. Ouais. Très bien vu. Et oui. Et donc, on est à 5, donc je passe à 6. Hop. Alors, moi, je ne gagne pas les égalités. Non, du coup, c'était 6, tu passes à 7. Mmh. Oui, tu restes à 6 puisque tu as marteau. Non, c'était 5. C'était ça, moi, j'ai mis 6. Ah, t'as mis 6, pardon. C'est 6. Pardon. Ouais, c'est 6. Parce que je mets au clou ma corne d'abondance. Et si je mets une carte, je gagne. Attends, il n'y avait pas un truc. Ah, tu gagnes je gagne 10 au lieu de 5. Grâce au grade. Ceci dit. T'as 7 en tout. Oui, mais j'ai le droit de mettre si j'ai 10 lingots. Ah oui, avec, j'ai la corne d'abondance qui me permet avec 10 lingots. Donc tu la mets au clou. Et en plus avec le Saint Graal. Il peut mettre des objets au clou en étant riche pour devenir encore plus riche. C'est la corne d'abondance et le Graal qui me le permettent. Donc on en a combien? 6
6, ouais. Tu prends que 5 hein, par contre. Non, 10 parce 10. Qu'il a le Graal. J'ai le Graal aussi. Mais c'est, non, ça, c'est si tu mets le Graal au clou. Ah, c'est si on met le 5 Graal au gage. C'est le 5 Graal qui te rapporte 10. 1, 2, 3, 4, 5. Je t'en rends 5. Autant pour moi. Non, pas ça. On est à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1 qui font 7. 8. 9. 9. Oh là là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, t'as le droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10. C'est triste. Il y a 10 sur celui-là. Oh la vache, c'est en train de se tendre sur la boîte de Pandore, mais pas qu'un peu là. Il y a des sommes phénoménales en si jeu. Si je mets 11... J'ai l'impression qu'on peut mettre 12 oui. Et du coup elle remporte l'enchère. Oui. Ah non, remarque, je pourrais toujours remettre plus. Mais tu peux remettre derrière. Bon, allez, je mets 11. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et elle met 12. Je pense que je ne peux plus monter hein, puisqu'il me fallait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je ne peux plus monter, je n'ai pas le Mafotor. Bon, bah, allez, 13. Gros Jean comme devant. 13. Ça bataille, hein. Ah, ça bataille, hein. Ah, ça bataille. Oh, Tu prends la majo. Tu veux truiner maintenant? Vraiment? Ah ouais, tu prends la majo et en plus, tu choisis deux faux. Ouais, tu vas choisir deux faux. Un faux. Mais tu auras du coup une info aussi sur un autre qui n'est pas faux. Qui n'est pas faux. Ah oui, c'est vrai. C'est pas faux. Tu as aussi. Oui, bon. C'est pas faux. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris? C'est quoi? Je te laisse. Ah! C'est toi qui l'as. Non, non, mais elle a ses lingots d'or. Elle a ses lingots d'or. Alors, donne-moi des sous en par contre, non, tu viens de te faire 5 points, toi. Je viens de me faire 5 points. Ouais. 5 points avec une série dans, ouais. Dans chaque couleur. Exactement. Sauf. Brut. Sauf si ce sont des faux. Sauf si ce sont des faux qui seraient du coup écartés. Ouais, oui, j'ai un certificat. Oui, non, c'est vrai, ça. Mais est-ce que tu mettras sur la bonne carte? Ça. On ne sait pas. On met sur le certificat après révélation. Avant révélation. Pardon, excusez-moi, j'ai toussé comme un. Bah oui, mais non, mais ça sauvage dans le micro. Je vous avais mal aux oreilles. Désolé. Et ça, c'était un vrai. Voilà, il y a un nouvel objet faux. La vache. C'était là, t'es content d'avoir pioché tes deux cartes. Ouais. Alors, quel objet retournes-tu pour les dernières enchères? On va retourner en rouge. Sudarshana Chakra. Ah bah tiens, à vos souhaits. Donc c'est une arme rouge, pas d'effet. Le disque enchère à point fermé. Ok. Je vais enchérir à point fermé. Mets des choses dans ta main. C'est bon? Ouais. 8. 5, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, tiens, je t'en redonne. Merci, mon brave. Et hop, je récupère un petit rouge. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. J'étais peut-être un petit peu en décalé. J'ai toujours un objet en gage. C'est ballot. Et je vais, s'il vous plaît, demander à l'avant-dernier vert de se révéler. C'est Brisingamen. Brisingamen permanent, qui ne peut pas être un faux non plus. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Non. Surtout qu'en vert, on est à 2, 3, 3. Ah, mais il départage hein, quand deux. Même celui-ci. Ouais, il mais il y en a encore un derrière. Vas-y, mise. C'est à toi de miser. Je commence toujours à 1. 3. Elle 3. Le veut. Elle le veut. On sent que. Alors que non, peut-être mais il est fou. 16. Alors que peut-être. Je te l'ai remonté pour que ce soit visible. Ouais, ouais. Tu es à 3. Eh bien, je vais miser 4. Non, je. Ouais, si, je mise 4 quand même. Ça vaut le coup. C'est un bon petit jeu. 5, allez. 6. 6. Alors, je vois que sur le chat, ça discute un petit peu sur les goodies. On le répète, les goodies sont là pour remplacer d'autres objets du jeu, ne viennent pas en plus et ne bouleversent pas le jeu. Donc, ne vous inquiétez pas, votre jeu est complet, quoi qu'il en soit. Rassurez-vous. Ou alors, allez voir Funforge dans les festivals. C'est comme ça qu'on peut le dire. Donc, t'es parti, moi je laisse tomber hein, puisque je n'ai pas plus de 4. Donc, c'est 6, hein, c'est ça? C'est 6. Et c'est quand même un bris d'égalité là. Ouais, c'est vrai. Allez, 7. Bien. Gersandre a un max d'or. Je ne sais pas combien de tonnes d'or tu as, Gersandre. Combien? Mais, t'as combien? 8. J'ai mis 8. Oh,
tu peux avoir à l'égalité. Mais 8, ça fait pas peur. Ouais, 8. Parle. Moi, je peux plus suivre. Ok. 9. Tu peux encore mettre 9. Tu peux mettre 9. Hein. Mais 9, elle mettra 10. Mettre 9. Tu peux mettre 9. Ça met 10. Deviens riche. Deviens riche. Non, je te la laisse. Bah oui, je m'en doute. Ceci dit. Ah là là, comment elle t'a rejoint. Non, non, elle t'a pas dit. C'était une blague. Ah, pardon. Je vois qu'elle a tout pissé. Mais laisse-lui, laisse-lui. Moi, je crois. Moi, je serais toi, je ferais ça. Moi, je prends la major. La technique, la finique est maudite et puis. Et elle est peut-être fausse. Je prends la major. Elle est 10. Voilà. Oh purée, non, merci. C'était pas du tout ce qu'il enfin fallait faire. Sous. Oh Doria, non, non. Ah, j'aime quand tu dis non. Ça. La harpe de David. La harpe de David. Effet média, tu regardes secrètement une des cartes faux des autres joueurs. Ah, oui, oui, ça arrive un peu tard. Ouais, hein, ça bien arrive un peu tard. Ouais, j'en arrive bah, besoin, moi, j'ai un certificat, ça peut être intéressant. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu peux assurer quelque chose. Pas Doria. Là, il y a 3. Ouais, je suis au chou dans les vermes. Je vais y aller tranquille. 2. Ok. 3. 4. Ça y est, ça s'enflamme. Bah, c'est un peu la fin. Bah, 5. Donc 5 or valent 1 point quand même. Ouais. La sonde va la vouloir très très fort vu que c'est la dernière jaune. Bah, justement, bah, fait la cracher. 5. Donc je peux plus. 6. 7. 7. 8. Donc 9. 9. J'ai combien là ? T'as 7. 7. 2, ça fait 9. Bah oui, hein, le marteau de Thor, t'as raison, hein, le marteau de Thor est vraiment cool. Pénible. Il est tellement cool. Il est tellement pénible. C'est surtout le petit regard que te jettent les gens quand ils sont chez lui. 10. 10. Bah 10. T'en as même pas besoin. Si ouais. Ah si, si. Ben non, t'es déjà en majorité. Non, ah, elle est au clou, celle-là. Il y en a une qui est au clou, en plus. C'est moi qui ai Et puis, il est à 5, mais... Oh là 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 là. Donc là, elle te fait cracher tout l'or, comme ça, elle peut racheter son objet qui est au clou. C'est ça. Il faut lui laisser. Là, il t'influence. Bah, non, parce que dans tous les cas, si tu me le laisses, j'ai pas besoin de le racheter. Mais exactement. Et si tu me le laisses pas, je récupère mes sous et je peux le racheter. Je rachète. Donc elle est gagnante. Non, pas donc écoute pas Philippe. Voilà, là c'est ce qui est, ça c'est ce qui est bien dans les jeux à enchères quand ça commence à y avoir du trash talking et de l'influence comme ça. Ça c'est bon ça. 11. 11 tu peux, t'es à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je te la laisse. Ah, mais 11 c'est rien pour toi. Ça lui coûte plus cher que de racheter. Ça coûte plus cher que de racheter mon. C'était 10. Mon oh, mais oui, mais moi j'avais besoin d'argent frais moi. Bah, tu peux regarder. Alors, voilà. Du coup, non, c'est celle-là. Ah, mais... Alors, ah oui, elle regarde celle que tu as. Ouais. Oh, c'est vicieux ça. Elle regarde la carte faux que tu as choisie. Ouais. Oh, c'est vicelard. Je vais me faire plumer. Elle m'a regardé, Pierre-Sandre. Je vais me faire plumer sur la fin de partie. Elle m'a regardé aussi. Hein, ouais, donc, ça va être terrible. Elle est forte. Vert ou rouge ? Ça va être chaud. Je sens que cette fin de partie va être chaud pour mes fesses. Vert, vas-y. Pardon. Glatnir, donc ça c'est un, le deuxième objet qui donne un certificat. Ouais. Alors j'ai combien moi parce que là. Ouais, là forcément ça va. Je sais plus. Ah bon sang. Alors en rouge on en est où 3 et 1, 4, 2, rien et 2. C'est Gerson qui a la majorité. Et on est à égalité malheureusement. Et on a tout. Ah, les... Tu as 2 aussi. Donc ça, ça craint. Ouais. Sauf enfin, si c'est faux. Non, moi j'ai 3. T'as 3 en... Non, en rouge. En rouge, ouais. En rouge. Ouais, parce que là, on commence à faire un petit peu les comptes. On commence à faire un petit peu les comptes. Du coup, tu mets combien là ? Du coup, je compte mes sous, déjà. Ah oui, d'accord. Et je combien là, c'est ça ? Jusqu'à combien de riches. Genre, j'organise mes étagères de lingots. Alors, combien j'ai mis dans mes filiales aux îles Caïmans ? Enfin, globalement. Oh là 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 là, ce paquet de sous que tu mets sur la table. 5. Ça, j'aime beaucoup. Ça fait 2 fois. Elle me regarde, tu sais. T'as combien ? 4, je mets 5. Ok, je ne participe pas à l'enchère. C'est parce que je suis très sympathique. C'est pour m'éviter des tractations. Voilà, tout à fait. Ça, c'est un petit idée. Tu peux toujours mettre au coup. Hein. C'est vrai. Rien ne t'en empêche. Oui, mais non. En fin de partie, là, ça commence à devenir un peu serré. 8. 8. Pan. 8 dans la musette. Donc, c'est entre vous deux. Ouais, c'est pas jeune, hein. Ah oui, tu peux pas mettre au clou de toute façon. Bah, mais 9. Bah, ah non, tu 8. Peux mettre que 8. Ah oui, tu mets 8 et puis tu mets 8 et elle gagne. Tu mets 8 et tu gagnes. Je mets 8. Ah oui, super. Oh, ça m'énerve. Moi aussi.
Ça m'énerve. Je suis ravie de vous énerver. Ça m'énerve. Tu peux pas savoir à quel point ça me met en joie. 4, en plus, tu prends la majo sur les verres. Ouais. Sauf si c'est un faux. Ah, pourvu que ce soit un faux. Ouais. Donc, je révèle le dernier, forcément. Ouais. T'es tellement méchant avec moi. Non, pas du tout. C'est un juste retour des choses. C'est l'hameçon des Maui. Vous pouvez compter une autre relique de votre collection comme étant une relique de cette catégorie, donc rouge, ouais. C'est ça. La relique compte également dans 5 catégories d'origine pour le bonus d'ensemble complet. Donc en fait, c'est du x2. Tu pourrais dire par exemple, cette bleue, elle est aussi rouge. Donc j'ai le 3 rouge. Même le 3. Le 3, même le 3, un 3 peut devenir un 3 rouge plus un 3 bleu. Exactement. Oh. Ouais. Celle-ci, quand elle tombe en dernier, c'est sûr que. C'est sûr que c'est dans la qui va la voir. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut la faire cracher par contre, qu'elle n'ait pas au moins les bonus d'argent. Tiens, voilà, je mets tout. Tous les bonus. Je mets tout. T'as combien ? Je sais pas. Je mets combien de milliards ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je mets 12 milliards sur la table. Vous ne pouvez pas surenchérir de ce que ça. Attends, on peut mettre un truc au clou. Mais ah oui, c'est vrai. Non, non, parce que tu as plus de 5 lingots. Ah oui, tout le monde a plus de 5 lingots. Voilà, donc. Moi, hein, je vais mettre 12 aussi, vu que j'ai le marteau de Thor, j'ai le droit. Ça m'énerve, c'est vrai qu'il est... Voilà. Et puis en plus, elle en est fière. Mais non, mais sérieux, complètement. C'est le but ultime de Doria, ça. C'est le marteau de Thor, jusqu'au bout. Ah non, mais je vais la mordre. Hors antenne, mais je vais la mordre. Non, okay. Fais-le devant tes témoins. Il n'y aura pas de marque. Bah, au moins, tu as plein de pognon, ça voilà, va te faire au moins, tu as du pognon. Voilà, donc là... Fin du ça, jeu. Et j'en profite pour acheter ma... À 10 ouais. Ouais, à 10. Ah, tu ta lance de destin. Donc je rends ça. Oh, bah ma corne d'abondance, tu sais pas, figure-toi, eh ben, je vais même pas la racheter. Ah ouais ? Non. On se demande pourquoi. Ah, ça... T'es au courant toi aussi ? Ah bah ok. Donc. Alors, on dévoile les faux. Alors, d'abord, on va mettre les certificats. Ouais. Ah, mettez les certificats, monsieur, dame. Je vais le mettre. En sachant que même ta licorne te permet d'en avoir un autre si jamais. Si elle n'est pas fausse. Waouh, waouh, waouh. Alors attendez, bougez pas. Juste Doria, non, c'est bon, on arrive à voir. Oh, pardon, Nod, on a fait craquer les micros. Excusez-nous, chers internotateurs et internotatrices. Voilà, on va faire un tout petit peu avancer histoire qu'on puisse bien voir ce que chacun a. Ok. Alors là, gros dilemme. Qu'est-ce qui est vrai ? Parce que si je ne protège pas ma corne de licorne et qu'elle est fausse, du coup, elle ne me servira à rien. Ben ouais. Mais il y a peut-être autre mais chose. Mais si elle est vraie, c'est gâché. Et en plus, si le rouge, c'est un faux, je perds 5 points. Ouais. Tout ça, c'est compliqué. Oh, mon Dieu. Elle certifie son hameçon. Donc maintenant, on révèle les faux. Alors, la corne d'abondance est un faux. La corne d'abondance est un faux. Elle était chez le gage. Salut, au revoir la corne. Sudarshana Chakra est un faux. Alors ça, c'est vache. Voilà. Alors ça, tu es vraiment quand même terriblement vache. La corne de licorne est une fausse. Oh non. Ah, c'est terrible. Non, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Vas-y. C'était quoi? D'accord. Ouais. Celle-ci, c'est l'Amenonuko. Amenonuko. Et le Saint-Graal est un faux. Donc tu perds ton Non, mais j'y crois pas, vous m'avez bluffé. L'Amenonuko est faux. Et le Saint Graal aussi. Comment que je me suis fait dilapider ? Tous mes objets étaient faux. Donc maintenant, on va regarder les majorités. Non, mais sérieux. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'es quand même vraiment cruel. T'es vraiment pas un bon expert de Roger. Sérieux, j'ai 3 objets sur 6 qui sont faux. Ça me troue un deuxième. Mm. Donc, on va calculer les majorités dans l'ordre indiqué. Donc, qui a la majorité en bleu ? 5. Pas moi. 5. Donc, non. D'abord, on va faire avec les. On va d'abord compter les lingots. La majorité, puisque celle-là est forcément un faux. Ah oui, c'est un faux, exact. Elle on a pas, va d'abord compter les points avec les lingots. Vous allez garder un lingot par groupe de 5. D'accord. Comme ça, on va utiliser les lingots pour compter pour compter les points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5, 4, ok, donc ça fait 1, 4 points de victoire pour les lingots. Ok, donc maintenant les majorités, effectivement. Donc la majorité en bleu, c'est partagé là. Vous avez égalité, donc vous avez tous les deux 6 points. 6 points. Et tu as de la chance, du coup, tu ne souffres pas de la malédiction. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Majorité en vert, 3, 2, 4. Donc c'est Doria qui remporte 7 points. 7 et vous rien. Et nous rien. Parce que vous êtes. Voilà, c'est bien.
Oh, c'est cruel sur ces fans partis, visiblement. La majorité en jaune, c'est moi. Donc, je remporte 6 points. Avec 5. Et ensuite, j'ai 4. Et toi, ensuite, tu as 4, Doria, avec 3 et 1, 4 points. 1, 2, 3, 4. Et la majorité en rouge. J'ai plus rien. 1, 2, 1, donc c'est moi. Donc, je remporte 5 points. Ouais. Avec 2, tu remportes tes 5 points. Ouais. C'est cruel. Beau, hein. Et nous, on marque rien parce qu'il y a une égalité. Et série de 4 couleurs. Donc, Gerson a 4 couleurs. Donc, 5 points. 3, 4, 5. Tu as 4 couleurs. J'ai 4 couleurs, 5 points. Et c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je termine avec un score de 10 misérable. 17. 12. 11 pour Doria. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12. Combien ? 17. Philippe l'emporte avec 17 points, puis Gersandre avec 12. 12. 11, 10, c'est quand même serré, mais tu t'en sors bien avec tes faux. Ouais, mais pourquoi moi ? Parce que c'était drôle. Oh, en fait, j'ai choisi toi parce que Doria avait déjà gagé la lance du destin. Je me suis dit, si elle ne la rachète pas, ça ne sert à rien. Ah, c'était la deuxième ? Ouais, c'était la deuxième. Ah, ok. Ça ne sert à rien que ce soit un faux. Je comprends mieux. J'ai pris celui qui n'était pas gagé. Ah là, ça tatane, c'est pas possible. Je regarde juste s'il y a quelques questions, mais a priori, les choses ont été claires. J'ai vu que ça discutait un petit peu sur les goodies, mais on le savait. De toute façon, à partir du moment où il y a des choses goodies à gagner, il y a des gens qui se disent, mais moi, je ne peux pas les avoir. Bah, oui. Je suis sûr que vous pourriez. Il faut bien qu'il y ait des goodies aussi. Pour les gens. Vous allez pouvoir vous arranger, ne vous inquiétez pas. Vous avez pu vous en rendre compte. Warehouse, le jeu de Bruno Feduti, Sergio Alaban et André Zatz est un jeu d'enchères, mais pas que. Excuse-moi, Winnow, tu voulais le mettre un petit peu comme ça, histoire qu'on le voit en caméra déportée. Ce n'est pas qu'un jeu d'enchères, parce qu'il y a aussi un petit peu de filouterie à avoir. C'est un jeu qui se joue. Bluff. Il y a du bluff aussi, bah oui, forcément, avec les informations. Donc c'est 2 à 5 joueurs. 3 à 5. 3 à 5, pardon. Ça, c'était une typo sur la boîte. Typo sur la boîte qui à partir de 8 ans, vous l'avez vu, les parties durent 48 minutes. Les choses sont assez claires. Je pense qu'on est clairement dans les temps. Et on ne gagne pas autant qu'on le voudrait, mais surtout quand on a un Philippe à la table. Merci à Doria, merci Gersandre, merci Philippe, à toute l'équipe de Funforge d'être venu nous présenter ce jeu Warehouse 51 disponible à Essen 2015, disponible à partir de novembre 2015. Mmh. Tu m'as dit le prix 17 ? 17 euros. Ouais. 17 euros. Vous avez donc tout ce qu'il faut dans la boîte avec ces faux ou pas. Donc, si vous êtes amateur de vieilles caisses en bois et de reliques plus ou moins véritables, écoutez, vous prenez un coup de fouet, comme je viens de me le prendre, et puis c'est à vous de jouer. À vous de jouer.